jamais peur de se mettre en danger, un jeune cinéaste, un rien provocateur, Charlotte Rampling, François Ozon, une belle rencontre autour d'un scénario inspiré d'une histoire vécue dans l'enfance du réalisateur. L'histoire d'un couple sur une plage des Landes, l'homme part se baigner pendant que la femme dort. Il ne revient pas, on ne retrouvera jamais son corps. Face à cette situation d'angoisse qui est l'inconnu, elle arrive à se créer un bonheur par rapport à cette situation, à se réinventer un monde intérieur qui la sauve de la souffrance qu'est la disparition sans explication. On parlait à qui? À Jean. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'il voyage et travaille beaucoup que... Écoute, Marie, sois raisonnable. Je te demande juste de faire attention de ne pas dépenser trop. Essaie de vivre à moindre frais, tant que les choses... T'es gentil de préoccuper de moi, mais t'en fais pas. Je pense que l'aspiration pour un personnage comme Marie, dans ce film, vient de la vie uniquement. Ça ne vient pas du jeu. Ça, on ne peut pas faire avec... les émotions comme ça. Il faut reconnaître ses émotions en soi, donc de son propre vécu. Vous savez bien pourquoi vous riez, non? Charles Rampling joue sans artifice. J'ai un truc bizarre. L'un de ses plus beaux rôles. Un truc bizarre. Je voulais que le spectateur soit sous le charme de Charlotte et qu'on l'aime aussi bien pour les moments où elle est effectivement très belle et des moments où elle est plus démunie, où elle est plus défaite. Ça me semblait important parce que dans la vie, on n'est pas toujours sublime. Et ces deux aspects me semblaient essentiels pour la compréhension du personnage et aussi pour l'attachement au personnage. Jean et les autres, un visage qu'on ne pourra pas oublier. Filmé à Paris, un jeune Jean. Tu es là ?